Les Bleus sont sur la même ligne depuis le début de la semaine dès qu'il s'agit d'évoquer la confrontation face à l'Italie, vendredi. Malgré la correction reçue par l'Italie face à la Nouvelle-Zélande 96-0, le 15 devra se méfier des Italiens. Le souvenir de leur dernière confrontation, lors du tournoi, soldé par une courte victoire des hommes de Fabien Galthié 29-25, est encore bien vivace. Ils ne vont pas montrer le même visage que face aux Néo-Zélandais. On a bien débriefé le match contre lors du tournoi Destination. On ne s'est pas trop attardé sur le match des Blacks, a ainsi expliqué Charles Olivon en conférence de presse, mercredi. Ils vont mettre un autre niveau d'engagement, il y aura moins de plaquages manqués. On est certain que ça va être un match qui va taper fort contre eux. L'histoire va durer 20 minutes et après les Français vont dérouler. Ce sont des Latins, le dernier match à Rome a été très difficile pour nous. C'est une équipe blessée et c'est la plus grande difficulté pour nous, des Latins blessés. Ça va être un match très, très difficile, a abondé Fabien Galthié, qui craint clairement une réaction d'orgueil des Italiens. Mais pour Maxime Médard, la résistance des Transalpins ne devrait pas durer. Tout du moins si les Bleus prennent la rencontre par le bon bout. L'Italie va tout donner sur les 20 premières minutes. Si l'équipe de France arrive à les maintenir et à être devant au score, je pense que les Italiens vont avoir du mal, ils seront souvent pénalisés. Je pense que l'histoire va durer 20 minutes et après les Français vont dérouler, a ainsi confié l'ancien trois quarts auprès de Midi Olympique.